arrive au stade de la fabrication, on va retrouver nos deux argiles qu'on a au préalable extrait, donc l'argile grise et l'argile rouge. Alors, il faut savoir que la particularité de cette production, c'est justement encore un des seuls briquets de France à faire un apport de terre à l'appel manuel. C'est ce qu'on découvre derrière moi. Pourquoi ? Parce que ça me permet d'obtenir un mélange qui n'est jamais homogène et donc d'obtenir un panel de couleurs beaucoup plus important. Toute la chaîne de production derrière moi, c'est une chaîne qui date de 1958 que j'ai entièrement restaurée, ce qui explique bien parce qu'il se traduit par vraiment une production très traditionnelle. Donc une fois l'argile humidifiée, on arrive à la phase de l'amiloir, c'est-à-dire qu'on va écraser l'argile. Il faut savoir qu'en Anjou, ce qui donne le grain, ce qui donne la peau, ce qui donne l'esthétique de la terre cuite, en dehors des couleurs, ça va être deux éléments dans l'argile, le fer et le quartz. Et je veux volontairement conserver ces deux éléments de façon à obtenir une épiderme un peu particulière. Donc je travaille en lamineur, donc on écrase un peu, mais pas trop. Donc sur mon premier lamineur, j'ai 8 mm entre mes deux cylindres, et sur mon deuxième lamineur, j'ai 3 mm, donc je conserve ce grain. On va pouvoir discuter avec Didier. Une fois l'argile mélangée, humidifiée et laminée, on va utiliser le système de l'extrusion, c'est-à-dire que c'est une vis sans fin qui va provoquer une poussée latérale de l'argile, et au bout de cette vis sans fin, on rajoute une filière. La filière va me donner l'épaisseur et la largeur de la bande de terre, dans laquelle on peut éventuellement découper un carreau, ou extruder une brique et la découper au fil.